du Muppet Show. Et donc, il s'était blessé à l'œil pour ceux qui ont suivi ce petit événement. Et le voilà de retour avec deux yeux, a priori. Donc, comment tu vas? Bah ça va bien, oui, c'était quand même assez rock'n'roll cette semaine. Il y a eu un post Facebook qui m'a fait hurler de rire tellement il était absurde. On parlait de l'œil, etc. Et il a dit, donc je lui disais, j'allais m'y remettre, je ne me suis pas remis. Il me disait, attention, faire la batterie est dangereux pour la vision. Voilà. Et c'est le truc le plus absurde et le plus vrai pour moi aujourd'hui. Alors vous Toi, c'est comprenez que vrai. ça, c'est voilà. Bon, Tu en as été alors la démonstration. il y a Mais t'as beaucoup de bien choses. bossé, tu m'as dit. Ah oui, ce week-end a été extraordinaire. Je me suis concentré sur l'installeur. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'un de tes élèves, quoi, qui vient de s'inscrire, je veux apprendre un jeu, etc., qui est excité comme toi et moi, on était excités à l'époque. Avec la boîte du Stoss ou Amos, dans le salon où il était vendu pour la première fois en Angleterre, il y avait des gamins qui étaient avec le manuel accoudé au mur, assis par terre, à regarder les instructions. Merde, je vais pouvoir faire ça. Voilà, c'est ça que je veux retransmettre. L'effet waouh. Donc, j'ai un peu préparé les choses pour éviter justement l'effet pas waouh, qui arrive Ouais. toujours dans ces cas-là. J'ai fait une Attention, vidéo. il y a l'effet démo. Ah, t'as fait une vidéo. Ah Ah ouais, ouais, non, alors voilà, là, t'as tout prévu. alors à part Il peut pas y avoir Internet d'effet démo normalement avec une Flix, je l'ai vidéo. mise là, en plein milieu de mon écran. Donc, si ça ne marche pas, c'est que vraiment. Alors, il y a un petit effet démo, c'est que je ne l'avais pas remise à zéro. C'est une vidéo que je vais en fait après poster sur Discord, etc., pour Ouais. vous demander du retour sur l'expérience d'installation. Avez-vous ce D'accord. fameux effet waouh? Moi, Alors, j'ai on rien va vu, hein, juste. là. Je découvre tout, là. Je sais pas ce qui se passe, là. Je ne maîtrise rien. Déjà, tu me dis si tu entends le son. J'ai entendu que c'était très faible. Ça va? Non, C'est en pas fait, fait. j'entends le son de ton micro-casque. Tu n'as pas mis le partage de son de ton ordi. Ah, voilà. Ça, c'est du direct. C'est dans le menu de Zoom. Zoom, same system. Alors, select speaker. Alors, si je fais maintenant. Non. T'as coché au Ah, partager le son de l'ordinateur dans ça. Zoom? Ah, évidemment, c'est toujours les. Ah, bah, ça, ah bah alors là, c'est indépendant de ma Ah, volonté. Hein. ça, il y a quand même un effet démo, t'as vu, mais il n'est Il y a pas un sur ce effet qu'on démo pense. extraordinaire. Il y a un effet démo extraordinaire. C'est toujours comme ça. Il faut qu'il y en ait un. Une démo sans effet démo est ratée, en fait. Hein, s'il faut. Et alors, celui-là, je l'adore. Alors, je suis là. Mon microphone, il marche. Je vais déjà arrêter mon microphone. Bah non, il faut que je le Non, garde. non. Il faut que tu vraiment que tu aies coché dans Zoom partager le son de l'ordinateur. Ça, c'est primordial, c'est la Alors, on première va le chose. faire ensemble. On va le faire ensemble. Comme je vois Zoom. pas, en fait, il me montre pas le menu de Zoom, donc je vois pas ton menu Zoom, mais à Mais droite il du enlève bout. de la capture? C'est sur la capture? C'est dans partager l'écran, le bouton partager l'écran. Il y a une petite coche normalement, option de partage avancé ou un truc comme ça. Et tu choisis partager le son de l'ordinateur. Le gros Alors. bouton du menu de Zoom, de ta barre de Cher Zoom. Computer Sound. Voilà, ça me Voilà. reste. Ah! Comme quoi. Alors, on essaye. That is the Oui, c'est wow bon. effect. Tu peux remettre au Allez. début. Donc alors, ouf. C'est une démo donc que j'ai faite pour avoir du retour. Donc je vous laisse la regarder. Je vais peut-être la commenter au-dessus. Donc tu me diras de baisser ou non. C'est en anglais, donc je vais la commenter en français. Hein. Je vais Alors, d'ailleurs ouais, baisser tu baisses un petit le peu. son. Voilà, comme ça, ça devrait être bon. Allez, on y va. Hello, this is François Bonjour, Lyonnais. c'est François. I would like to have your input on Je voudrais the avoir new votre retour sur installer l'installeur of AOZ que j'ai fait and the pour welcome AOS. application. First, what I want the user to get Ce que is je the voudrais wow que effect. l'utilisateur ait, c'est So, un effet waouh. Voilà, donc, please s'il give vous me some plaît, du feedback. retour. Do Voilà. you get it? Well, you won't, but because if you look at this video, shut up. Je parle dans ma barbe de programmeur. So at Donc first, ça, c'est this page installé, I will voilà, remove. et c'est Premier ce qu'on lancement. a quand Question on of lance. Voilà. activated Donc j'ai because fait un there is menu. sound. Pour le moment, You il est can très press a simple, le few plus simple keys in possible, the le plus menu, simple possible. like one. Et vous It will appuyez sur chat, display ça lance ça. Non, sur un ou deux, ça c'est pas fait, ça a eu crazy petit gag. things, ok? It's a Et bit si vous big, appuyez but sur 4, voilà. etc. But you can also, and if you press any other key, you quit the screen. And you have to close the tab. Now I'm going to press the demo.
pour ça, c'est une vidéo que j'ai récupérée. D'ailleurs, il faudra s'arranger au niveau des droits, c'est juste un proto. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et ça embraye tout de suite sur une démo. Donc, tu connais en fait, cette musique? Ah bah, c'est... bah oui, je sais plus ce que j'avais sous la main. Mais cette démo, c'est une application AOS. Ouais. Et donc, voilà, cet écran de bienvenue, qu'il soit sélectionnable ou pas désélectionnable, il peut être participatif. Tout le monde peut faire. Moi j'aimerais toutes les semaines montrer un truc que m'a envoyé, un effet de particule. Voilà, c'est le truc et j'aimerais que ce soit un rendez-vous. Alors au début, ça va être erratique, ce sera au niveau avec les grosses versions. Mais quand le produit sera et ses sphères établies et qu'il ouais. se vendra, toutes les semaines, on pourra avoir l'AOZ... Enfin, pas, c'est pas l'AOZ Hebdo, c'est l'AOZ Welcome avec ouais. les démos faites par ses utilisateurs. Des jeux super qui sont arrivés dixièmes, qui sont super mais qui sont arrivés dixièmes, mais qui sont quand même super, merde. On peut les montrer, etc. Tous ces genres de choses. Et c'est direct une poêle à l'intérieur du produit, quoi. Voilà, donc ça peut pas être mieux. Moi, ça me connecte directement à l'effet démo de d'Amiga, quoi. Voilà. Et tu dis, je vais voir un truc que les programmeurs me racontent. Moi, ce que j'ai essayé de me mettre à la place du gamin de 14 ans, quoi, qui a envie de programmer. Is it as obvious? Voilà. Donc, et après, je demande de taper un print hello, voilà, ainsi de suite. Je me suis mis à la place du gamin excité, quoi, qui a envie de taper. Donc, qu'est-ce qu'il aurait aimé voir? Des trucs impressionnants, quoi. C'est ça. Et un peu caché. Voilà. Donc, c'est ça. Au niveau de... C'est cool. Voilà, ça, c'est, cool, c'est la version qui arrive. C'est la version, elle est. Alors, je ne sais pas quand elle va arriver. C'est la version 0.99 test 2. Donc là, je vais la lancer en direct, en croisant les doigts. Ça, c'est le Zelda OS sur lequel on va revenir. Donc voilà. Donc le ça slash, lance. Flash démo. Ça lance cette appli qui est déjà qui est précompilée. Donc le HTML est là. Et puis bon, si vous appuyez sur un, là, vous avez un petit gag, etc. Ainsi de suite. Voilà. Donc le menu en lui-même, c'est aussi une application à OS. Alors voilà, c'est ça qui est super. C'est ça qui est super. C'est dommage que tu n'aies pas écrit This is an AOS application. Ou si, comme je l'ai ça. Écrit, je l'ai écrit. This demo. Ah, ok, oui, ouais, c'est écrit en dessous. Et il faut lire évidemment le texte scrolling, le scrolling c'est Star bien. Wars. Ouais, et donc, oui, c'est, alors, c'est l'application Welcome qui est là, que j'ai assez chiadé en fait. Donc, on peut tout le menu principal est dans une seule procédure. Et à la suite de ces quelques lignes qui appellent le menu principal, il y aura une vraie démo qu'on pourra couper de là jusque là. Ça, c'est moi qui l'ai. Pour le moment, c'est très simple, c'est moi qui l'ai faite, mais ouais. voilà. Pas énorme en taille, évidemment, pas des trucs qui font des milliards de lignes, où on apprendra un petit principe ici, comme la projection de comment faire un scrolling Star Wars, ajouter un petit écran de contrôle des paramètres, parce que c'est comme ça. On fait d'abord l'original, mais si on prend garde de mettre toutes les valeurs qui tordent les choses dans des variables, après on s'amuse et puis on ne sait pas ce que ça va faire et on regarde. Et puis là, ça fait super. Si vous changez NA, ça fait le texte Star Wars, il fait comme ça. Voilà. Ainsi de suite. Tout ça, c'est ça qui est drôle à faire. Et c'est ça, comme ça qu'on découvre l'informatique. En fait, on comprend que finalement, quand on change cette variable-là, bah, ça a un effet vachement loin qui revient ensuite, etc. Et qui fait que la démo, elle est merveilleuse en fait, parce qu'on n'avait pas prévu. Tu vois ? C'est ça que je veux passer. Tout ça, quoi. Tout ça. Tout ça. J'en ai trop. Voilà. Donc, alors. Eh ben, génial. Je vais y arrêter de parler. Je vais arrêter de parler après ça. Et aussi, ah bon, je me suis rendu t'écouter. Compte que jusqu'à maintenant, j'étais en fait un genre de sous-professeur. Tu étais le professeur en chef et moi, j'étais le sous-professeur qui fait le code. OK. Alors, ça impliquait. J'ai trouvé ça rigolo. Mais ça impliquait pour moi de préparer, parce qu'un professeur qui n'a rien préparé, je l'ai vécu, c'est très embarrassant. Donc, ça induisait du stress. Et je me suis dit que finalement, ce n'était pas le but de cette série. OK, on va essayer de faire un Zelda. Voilà, le mieux possible. Et en fait, si on se dit que le moment où on filme, c'est-à-dire maintenant, 17h32 sur mon ordinateur à Varsovie, c'est le moment où, clic, t'arrives. OK, qu'est-ce que tu peux nous montrer ?
dans le but de faire un Zelda. Alors, si la Zelda reste un fil rouge. On avait dit un fil rouge, une structure qui permet d'avancer sur quelque chose qui permet aux gens de suivre. Mais le plus important, on l'avait dit dès le début, donc c'est bien que tu te reconnectes à ça et qu'on en reparle, c'est effectivement de voir vivre à Oz Studio et de voir vivre à Oz Studio chaque semaine et de le voir évoluer et du coup de le découvrir sous le capot, un peu comme tu dis aussi, le produit. Parce qu'on est chez toi. On est chez toi qui est en train de créer Oz Studio pour les gens qui te regardent. Et en fait, moi, je pense que j'avais hésité parce qu'on a toujours cette hantise de que ça crache en public, etc., que ce ne soit pas prêt. Et c'est pour ça qu'on stresse tous. Et tous les gens qui ont été programmeurs avec des milestones, les milestones, c'est ça qui tue. Et c'est pour ça que les entreprises, elles en profitent. Maintenant, elles mettent des sprints toutes les semaines. Donc, tout le monde est bien stressé. Mais il ne faut pas, en fait. Et donc, en fait, il faut faire ce qu'on peut. Et les bugs, c'est bien. Tu sais, on progresse avec les bugs. Moi, c'est le principe aussi de tous mes ateliers, toutes mes formations. Je prépare, mais une fois que j'ai préparé, quand je fais le cours en vidéo, je l'ai fait dans le condition du direct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tutos qui sont, je dis beaucoup, mais peut-être tous. Tous les tutos qu'on peut trouver sur Internet, ils sont très mal orientés pour les débutantes, très mal, on va dire, ils amènent mal le truc parce que ça a été en fait aseptisé. C'est-à-dire que le gars, il a développé le truc, il s'est confronté à des problèmes, il a fait ça dans un certain ordre qui est le vrai ordre, la vraie façon de faire d'un programmeur, et après il te repond le truc pour son étudiant. Comme il aurait dû être. Comme il aurait dû être, et il fait toutes les choses dans l'ordre, sans se tromper, tout ça, et c'est peut-être pas l'ordre dans lequel il a fait lui. Exactement. Et du coup, les gens disent « Ah, ça a l'air vachement évident pour lui, moi, j'aurais pas pensé comme ça. » Et moi, je fais toujours les trucs dans les conditions du direct, et des fois, quand je me plante tout ça, je reçois des messages qui me disent « C'était vachement bien que t'aies laissé le moment où tu te plantes, parce que j'ai vachement compris le truc, t'es planté. » Et aussi, ça m'a rassuré, je me suis dit « Si David, il se plante, ça va, c'est que c'est pas non plus un truc Et en fait, tu sais, quand tu fais un bug, moi je me rends compte que quelque part c'est un gentil genre de jeu avec toi-même. Parce que le bug, je suis désolé, c'est toi qui le fais. Et bon, il y a des bugs, c'est des erreurs d'étourderie, c'est le caps lock qui est là, etc. Encore que des fois, tu as l'impression que ta main elle va sur le caps lock pour que tu te trompes, mais c'est en fait non. Mais oui, mais non. Et il y a certains bugs qui finalement amène à « putain, mais j'aurais pu faire comme ça », et puis brrr, 5 minutes, c'est fait, et tu as un truc mille fois mieux. Donc, merci les bugs, c'est vous-même qui les posez, c'est des petits jalons pour que vous trébuchiez, c'est tout, c'est vous qui le posez, donc il vous fera pas mal. Sauf peut-être des gros, ou si vous exagérez avec vous-même, mais c'est ça. Les bugs, c'est vous êtes votre propre Sherlock Holmes, c'est comme disait Steve Jobs. Pour l'anecdote, moi, j'ai fait carrière au départ dans les logiciels sérieux, très sérieux. C'était des logiciels, bon, je faisais des jeux, bien sûr, depuis que j'étais gamin. Mais quand j'ai travaillé pour gagner mon argent, je faisais des logiciels pour gérer des hôtels et restaurants. Et donc, je manipulais des données comptables de grands établissements, de grands hôtels, etc., avec le logiciel que j'avais développé pour mon employeur. Et il y avait des bugs qui étaient extrêmement lourds de conséquences. Aujourd'hui, je peux en rire, mais j'ai passé des moments. Tu sais, quand tu livres une version, tu te dis, bon, j'ai à peu près testé, mais en fait, tu n'as pas vraiment bien testé le truc. Tu livres une version, elle se déploie dans tous les établissements. Et que tant t'es directeur technique, t'entends le support. Tu sais, t'as les mecs du support au fond de Open Space. Le téléphone se met à sonner et que il dit ah oui, excusez-moi et tout. Attendez, je vais voir avec les développeurs met en pause et que tu dis putain, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Et le mec te dit David, c'est normal qu'il y ait plus aucun chiffre en fait, que tout soit à zéro la compta du et là tu regardes ton code et tu te dis oh putain. Supprime tout au premier, à première exécution, ça supprime la compta précédente de l'hôtel. Alors moi, je vais vous dire aussi un endroit où j'ai eu un moment où j'ai eu l'angoisse. J'ai travaillé à Qlok, c'est une société de portage de jeux vidéo AAA de PS2 à Windows. Donc, on a bossé sur Yakuza 2, un gros titre quand même dont la presse a pas mal parlé et dont l'adaptation a été saluée comme excellente, comme toutes les adaptations de Qlok. C'était un petit peu de pub au passage.
Et moi, j'étais responsable du display. Et comme c'était un mélange de moteurs 3D, etc., dans tous les sens, j'en étais arrivé et que tout avait été rafistolé. C'est quand même du rafistolage, un portage. J'avais les barres noires qui n'étaient pas synchronisées avec l'affichage. Alors, j'avais un compteur du nombre de VBL qui était corrigé en fonction de la fréquence du moniteur. Un truc infâme, ou ce qui marchait. Mais qui avait été évidemment validé par toutes les équipes de testeurs. Mais quand même, j'avais vraiment peur, quoi. Voilà. Donc c'est ça la vie d'un développeur. C'est quand même finalement, on a l'impression que moi ma mère, je me souviens quand j'étais gosse, elle me disait mais qu'est-ce que tu fais encore devant cet écran? Ben mais oui. Maman, ça change. Je dis ça change. ils ne comprennent pas, mais en fait on a quelque part une vie assez rock'n'roll. Exactement. On est dans un univers. C'est drôle. C'est voilà. Un univers à part entière. Et alors, on va découvrir du coup ton univers, c'est-à-dire j'ai bien compris, ce code source-là, c'est celui qu'on a fait la dernière fois l'épisode précédent. Ça, c'est le welcome, donc ça, c'est la démo welcome. Ah oui, voilà. Donc maintenant, si tu ouvres le Zelda OS, c'est la première fois que tu vas l'exécuter avec ta nouvelle version. Voilà, tu auras ça et tu l'auras encore un petit pendant toute la version. Elle va bien vous emmerder parce qu'il faut que je. La fonction edit maintenant, elle est implémentée, donc elle revient à l'éditeur. Ouais. Mais il faut fermer le tab à la main. Voilà, désolé pour cette version. Bon. Voilà. Alors vas-y, on se lance. On en était où déjà ? Petit résumé des épisodes précédents. On avait un décor qui scrolle, je crois. Hein. Un décor qui scrolle, comme les biscottes. Excusez-moi. On avait un décor qui scrolle et avec deux niveaux, un niveau oui, avec on avait les, montré le parallax. Sol et les objets, et on le faisait scroller. Alors. Et on devait cette fois, devais intégrer un personnage. Et donc on va voir comment on intègre un sprite sur un décor. Donc j'avais bossé sur l'extension pour qu'elle soit prête la semaine dernière fois et avait bien stressé depuis le matin juste au pile poil. L'extension pour les maps. Et j'ai perdu les sources. Ouais. Ça arrive, ça c'est aussi dans la vie du développeur. Je sais pas, tu te démerdes pour perdre les sources, même avec Git, même avec tout. Tout se met contre toi. Tu perds deux jours, ça arrive, il faut le prendre comme ça. C'est une occasion de réécriture. Donc voilà. Du même code et ça va super plus vite en fait. Donc ce machin-là, il a l'air de marcher. L'extension, elle est chargée et tout. Mais alors si je fais run. Vous allez voir, ça compile bien. C'est nouveau le convoi. Oui, il y a beaucoup de choses nouvelles. Voilà. Donc on arrive là. Donc là, ça s'exécute plus dans l'éditeur. Si aussi, mais aussi, c'est là, toi qui l'as choisi. Sûr que ça marchait. Je prends les trucs, je suis sûr qu'il marche. Donc là, ça scrolle normalement. C'est alors, si j'appuie sur la touche de droite, voilà, la vue est introuvable à ligne 27. Voilà. Kezako, je ne sais pas. Donc, ligne 27. Ah bah voilà. Je m'entendais à faire du debugger, voilà. Etc. Voilà. Donc, c'est fait. Bah, on va essayer de la lancer là. Et celle-là, je ne l'avais pas vue. Hein. J'ai cherché. Vous voyez comme le cerveau, il vous travaille. Quoi. Alors, bon, il y a encore des trucs qui ne vont pas. Là, c'est peut-être encore un bug. Là, c'est beaucoup plus emmerdant comme bug. Mais je sais qu'il n'arrivera pas. Attendez, je vais prendre le... Alors, là, ça a planté. Voilà, ça a planté. Je suis désolé. Là, vous êtes en plein... C'est pas grave. Alors, si personne n'est épileptique, c'est bon. Quand ça plante, si jamais un programme plante, allons-y. Ça arrive très souvent. Et peut-être tout le monde ne le sait pas. Ça peut arriver, des programmes qui plantent. Voilà. Alors, ce que vous faites, vous allez ici. Alors, moi, je tape Task Manager. Vous, c'est Manager. Comment ça s'appelle ? Manager de tâches ? Gestionnaire de tâches. Moi, je fais clic droit sur la barre de tâches en bas de Windows. Ouais, mais quand tu as trop d'icônes, tu n'arrives plus à cliquer. Ouais, donc, c'est dur à trouver, effectivement. Voilà. Et donc, vous classez les applications par nom. Et là, vous avez Atom, qui est l'éditeur derrière AOS. Et ben, vous cliquez à droite dessus et vous faites fin de tâche. Voilà. Ça sort toujours tout bien. Voilà, ça arrive et ça arrivera, c'est une bêta version. Donc, allons-y. Alors, OK. Pourquoi ? Donc là, il y a un truc vraiment très bizarre, c'est que ça crache à la seconde compilation, alors que toutes les autres applications, elles fonctionnent. Par exemple, je vais vous montrer. Donc, il y a un truc très bizarre là. Alors là, je vais vous montrer des applications. Hop, une que j'aime bien. Allez, celui-là. Alors, oui, ça compile et ça marche. Enfin, ça va être les voilà, etc. Et ça marche toujours dans la petite fenêtre. Et la petite fenêtre, maintenant, elle va être encore beaucoup plus utilisée. Ah, voilà.
Ah bah voilà. Eh bah c'est une version où il n'y a rien dans la petite fenêtre. Ouh là là, je suis C'est mal quand même. peut-être tout simplement l'exécution dans l'IDE qui Voilà. Alors ce que je vais merde. faire, je vais pas prendre la version. Je vais prendre la version. Est-ce que j'avais. C'est celle-là que j'avais pris, hein? Oui, c'est celle-là. Donc je vais prendre C'est la version. marqué bêta 0.9.9. Je vais prendre ma version de développement. Voilà, celle-là, normalement. Vous savez, c'est quand même un. Alors voilà, il y a lui qui m'embête. Bon, il n'y a même pas d'affichage. Alors ça. Alors voilà. Donc, j'ai pas d'affichage. Pourquoi? Allons-y, allons-y. On va débugger, comme faire une Et est-ce que session tu de peux faire un débugage. test hors IDE pour voir si ça s'exécute quand tu lances dans le navigateur? Ben là, le source est là, regarde. Ah, ça marche pas non plus dans hors navigateur. Voilà, le Hors source. IDE. Si, là, je suis hors IDE. Je suis hors IDE. Mais Ah, voilà, c'est et ça ça. fait pareil. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ce que je voudrais, c'est prendre la main. Donc, ben voilà. Pour prendre la main, il y a un truc super. Vous mettez du JavaScript, débugger. Ça mélange les niveaux. Mais regardez, c'est utiliser l'astuce que je peux remettre du JavaScript là-dedans. Donc, je vais Alors pour simplement. expliquer aux gens, là tu es dans le code de AOS et tu n'es plus dans le code de Voilà, l'autre donc là Z. je suis dans le code de l'application. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu mélangé, hein, je suis désolé. Donc alors, Ah, tu es le code dans l'application générée par le transpiler. voilà. Je suppose. Tu me corriges si je me trompe. Alors, là, je suis. Pardon, je ne vais pas tout mélanger. Voilà. Ça, c'est ce jeu-là, Askiman, qui est un petit jeu de. C'est un. Comment? Un Pac-Man en ASCII, plante, au Ah, donc chargement. le debugger, c'est une Voilà. instruction que tu mets dans le code AOS. Voilà. Donc, dans le code Je n'étais pas AOS, dans le bon. Ok. j'ai cette opportunité de pouvoir mélanger directement du code qui sera exécuté au moment du runtime, comme ça, du code D'accord. JavaScript. Et il y a une instruction qui est très bien, c'est debugger. Voilà. Voilà. Donc, entre là et là, c'est du JavaScript. Bon, je vais vous Ok. montrer, je vais compiler. Donc, quand vous cliquez sur test, ça ne fait que compiler. Et ça vous signale les erreurs. Alors, cette application-là, c'est main.osi, elle est là. J'ai ouvert le dossier, je vais vous montrer aussi. On peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais dans le dossier qui est fabriqué par l'application et j'ai, avec application.js, le code source qui a été fabriqué par le transpilateur. C'est peut-être bien, je pense, Ouais, on va regarder un petit peu. c'est. Et donc voilà. Donc ce que vous avez, peut faire la comparaison entre ce programme compliqué, voilà, depuis le début. Mais ton instruction debugger, tu la mets dans ton code AOS et elle est automatiquement mise dans l'application.js qui va être C'est générée. ça. Alors, Ok. regardez la correspondance. Donc là, au début, il y a des remarques. Ah, où est-ce que. Excuse-moi. Ah ben non, je me mélange les pinceaux. Voilà. Et lui, on va le pousser à droite. Ah, c'est toujours ce problème des. Voilà. On peut faire la correspondance. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc ça, vous voyez, ici, on est en basique. Ici, on est en JavaScript. Donc ça, c'est des petits trucs à moi qui permettent de faire les initialisations. Et ici, voilà où commence le programme compilé. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que votre programme va être en quelque sorte mouliné pour Traduit. être traduit dans ça. Alors évidemment, ce n'est pas la même structure, c'est un fonctionnement différent, mais il y a des très fortes similitudes qui vous permettent de faire la relation. Et c'est ça, en fait, le but d'AOS dans l'éducation, c'est on commence en basique, mais le basique, bon, malheureusement, ce n'est pas encore utilisé en professionnel. Pour passer en professionnel, bah, il faut que j'apprenne quand même un petit peu de JavaScript. Alors pourquoi l'apprendre de but en blanc alors qu'on peut progressivement découvrir cette instruction basique qu'on connaît parfaitement, qu'on comprend quelque part en soi-même, eh ben, comment la comprendre de la même manière en JavaScript, du côté JavaScript? Ben voilà. Donc ici, on a les remarques. Les remarques ne sont pas mises, sauf celles qui sont juste sur la ligne d'avant. Alors la première ligne, ça, c'est des tags. Les tags, par définition, ne sont faits qu'être lus. Voilà, ils ne sont pas inclus. Ils ont des effets éventuellement que sur l'affichage, etc. Mais c'est Il ne pas, ils sont génère pas de pas, code. ils ne génèrent pas de code. C'est en fait ce qu'on appelle dans les compilateurs des commandes de pré-processeur dans le C, hein, c'est ça. D'accord.
Voilà, alors mon petit débugger en JavaScript, bah, il est là. Voilà, JavaScript débugger and On le voit. JavaScript. OK. Voilà, on est là. Donc normalement, ça, quand je le ferai marcher dans Chrome, si ça veut bien marcher, effet démo, Parce que là, tu etc. pars du principe, tu pars de postulat que ton code va arriver jusque-là. C'est-à-dire que le Voilà. plantage va n'arrive pas avant, il arrive bien au moment de l'exécution d'application de .js. Voilà, et déjà, c'est un bon point où commencer. Il faut quand on ne sait pas du tout, il y a un truc qui ne marche pas. Il peut ne pas marcher au chargement, il peut ne pas marcher dans l'écran de titre, il peut ne pas marcher à plein d'endroits, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas, mais on sait qu'il C'est là plante. qu'il faut mettre, il faut Un faire truc au milieu. la méthode du petit poussé. Hein? Moi, Voilà, mais la j'appelle méthode ça la du méthode petit. du petit poussé. C'est que tu Ouais. mets, souvent, nous, on mettait des prints ou des logs ou des trucs comme ça, et tu dis, je suis là, je rentre dans cette fonction, je suis sorti de la fonction, maintenant je Voilà. suis là. Et puis tu exécutes, et puis tu vois où ça plante, et là tu vois, C'est ah, ça. y en a, en fait, il n'y a rien qui s'est affiché, donc je ne suis même pas allé sur le premier truc que j'ai mis. Donc tu remontes, tu Et c'est remets des ça. prints, et puis à un moment, tu dis, ah, j'en suis que là, ça Mais plante c'est vraiment au vachement bien. début. C'est parce que C'est ça, génial. le débugage est Meilleure génial méthode. pour la logique personnelle. C'est ça. Plus on fait de bugs, plus on revoit où on a fait des erreurs. Donc, et au bout de 4 ou 5 fois, bon, on finit quand même par ne plus la faire, cette erreur-là. Donc on sait, kick, c'est une erreur que je ferai moins dans ma vie à partir de maintenant. Donc il y a un réel progrès, quoi. Franchement, il y a toujours. Merci les bugs, quoi. J'ai Merci les bossé bugs. dans une boîte où, pour certains modules, on était obligé de regarder son code au pas à pas avec le débugger. On Ah, mais codait en c'est ce que C. je fais toujours. Et parce que, Toujours. on me disait, moi je disais, mais mon code il marche. Oui, mais il marche, mais peut-être que tu sais pas, il bug, mais tu le vois pas. Voilà. Parce qu'il y a un truc qui fait qu'il y a un bug qui compense un autre bug, et puis hop, le résultat est bon. Exactement. Mais au pas à pas, tu vas dire, ah merde, en fait, c'est pas du tout la bonne valeur du truc là. Voilà. Puis elle est corrigée parce que juste derrière, il y a un autre truc, mais c'est pas bon. Et donc, je devais regarder mon code pas à pas, et quand j'étais débutant, hein, un jeune programmeur, c'était très formateur de regarder son code s'exécuter ligne par ligne. Oui, et puis on se rend compte des boucles aussi quand on doit faire comme ça 50 fois avec F9. Bah, si, ah bah tiens, ce serait peut-être bien s'il y aurait pas de boucle. Voilà. Mais oui, c'est Allez, ça. alors on Et, veut voir, on veut alors oui, voir. donc toi tu utilises la méthode du petit poussé, je l'ai utilisée, mais on va utiliser une méthode du petit poussé optimisée, c'est-à-dire on commence par le milieu et ensuite on fait par dichotomie. Donc Dichotomie. si tu mets le breakpoint au milieu, c'est-à-dire après le chargement et finalement au début du programme, si j'arrive pas, c'est que je sais que c'est dans le chargement. Si j'arrive, bah, je sais que c'est après. Bah, déjà, diviser le boulot par deux. Voilà, donc ça, si le serveur fonctionne toujours, c'est toujours un petit peu le problème, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Alors, a priori, c'est un gros, gros bug, quoi. C'est un bug qui plante Chrome. C'est une boucle qui ne sort pas, j'en dirais. Hein. Hop. Bah, a priori, c'est du chargement. Mais t'as A exécuté le priori. code depuis Atom, là je t'ai pas vu le faire. J'ai raté un épisode. Tu l'as Non, j'ai pas transpilé. exécuté là. Là, j'ai juste. Là, maintenant, je suis directement en train de poker dans D'accord. le code Du JavaScript. le JavaScript produit par le transpilateur. Donc, alors, ça n'arrive pas jusque-là. Voilà, a priori, hein. Sinon, ça aurait dû s'arrêter. C'est que c'est dans le chargement. Ça, c'est. J'avais eu aussi. Et ça pourra corriger, j'imagine, aussi le problème de Zelda Oz. Alors Donc, là, tu as sûrement un JS qui intervient avant de charger application.js. Alors, ouais, c'est ça. Donc là, on va vraiment rentrer dans les entrailles du code du runtime. Là, vous voyez votre programme. Et là, bon, évidemment, il y a mon code qui est là. Donc, c'est le programme principal, c'est aoz.js. Bon, je vous passe les détails que vous comprendrez, j'espère, dans un an. Donc, en espérant vous revoir peut-être pour des cours un petit peu plus d'un niveau direct comme ça, mais en JavaScript, et pourquoi pas, c'est trop bien. Donc, la fin du chargement se fait ici, si le nombre de chargements est égal au chargement maximum. Voilà. Donc, bah, je vais mettre un débugger ici. Non, je ne peux pas mettre un débugger ici. Il faut que je le mette juste avant qu'elle soit appelée. Hop, je vais mettre un débugger ici, carrément dans le code. Toc, je sauve, je relance. Ah bah voilà, en fait c'était même pas appelé. Ah voilà. Oh non, mais Facebook message, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Alors.
y a un problème de serveur. Là, vraiment, je dois dire que je suis. Mais c'est normal, c'est normal. Alors, on va recommencer. Est-ce que tu peux pas le relancer? C'est quoi ces tiny serveurs, un truc comme ça, non? Attends. Alors là, je vais pas le mettre, je vais le mettre dans un autre. Pardon. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais le mettre dans une autre partie du code. C'est à peu près pareil. C'est au moment de la transpilation. Hop. Alors, et voilà, je retrouve le même endroit. Là, c'est le source originel. Alors, le 1, 1. Voilà. Et si je reviens et je reviens dans cette application maintenant, là, je lance. Alors, il compile bien la première fois, c'est ça que je ne comprends pas. Y a vraiment un truc, quoi. Je pense que c'est le serveur qui ne marche pas. Oui, je dirais ça. Est-ce que tu as moyen de voir qu'il est actif ou Je vais voir. Bah, je vais lancer l'application Welcome. Au moins celle-là, je sais qu'elle marche. Eh bien voilà, c'est le serveur. c'est le Ah serveur. bah. Vous le vivez en direct. C'est un petit peu le problème de cette version. C'est que le petit serveur que j'utilise est un peu instable, voilà. Comment il s'appelle Tiny Web ou Live serveur, un truc comme ah. ça, il faut que je le refasse moi-même. J'ai pas bien trouvé. Peut-être tu pourrais m'aider à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe et on refait T'as ou besoin de rebooter, c'est ça? j'ai besoin de rebooter là. Ou alors attends, je vais peut-être essayer de le trouver. Et tu l'as pas dans tes tâches ou Et puis si ça ne marche pas, quoi, on va pas s'attarder et on peut parler d'autre chose. ouais. Voilà, hein, voilà. Non mais c'est marrant, alors. C'est marrant, quoi. C'est marrant. Ah ben, il était là. Voilà. Il restait là. Voilà. J'y avais pensé, j'ai pas pensé à regarder. Il en reste un bout d'atome. Et c'est là-dedans D'accord. qu'est le serveur qui fout la merde. Pardon, qui empêche le Oui, fonctionnement correct de merde, t'as l'application. le droit. Alors. Et si ça tombe maintenant, Zeldaoz, il va marcher. Tiens, ce serait super drôle, ça. Hop. Donc déjà, on voit que ton programme remarche, ton welcome remarche. Voilà. Donc. Alors, je vais un peu faire du nettoyage parce que ça a tendance. Et puis, la fenêtre de bienvenue, elle est un peu pénible quand même. Hein. Vraiment. Voilà. Elle est Ben, un peu pénible. tu vas faire comme fait tout le monde, une coche, ne plus ouvrir Ah, bah au oui, bien démarrage. sûr. Sauf, il y aura une coche, ne plus ouvrir, sauf Oui. les nouvelles versions. Voilà, comme ça, si Ah, vous devez acheter. Skiman, voilà Skiman qui est de retour. Donc ça marche. Bah voilà. Bah, vous voyez, on progresse. Et c'est ça qui est rigolo. C'est que le débugage, c'est un petit sentier de montagne, en fait. Et pourquoi Alors que Debugger s'est pas lancé? Parce que je ne lui ai pas demandé de le lancer. Ah, tu as pas Là, demandé. quand tu cliques sur. Et ça marche. Voilà, normalement, ça marche vachement Ah, bien. t'as fait une Évidemment. exécution sans debug. Voilà. Parce que t'as laissé ton appel au Ça, débugger dans le code. alors, celui-là, c'est Build and Run, ça lance dans le navigateur. Pouf, voilà. Toc. Celui-là, c'est Running IDE, donc F1, comme dans Amos, hein, on faisait tout le Ouais. temps F1, on faisait test 2, F1, je faisais TikTok. Et c'est vachement bien maintenant, on peut le resizer, c'est tout bien cadré. Ça, c'est test. Alors, ça compile, et s'il y a Ouais. des erreurs, par exemple, si c'est ça qui est bien dans. Voilà, je vais rajouter des erreurs. Égale 2, etc. Si je fais test. Ouf. Deux OK. erreurs et mon curseur est positionné directement sur la première erreur et elle est mise en rouge. Et pour passer à la suivante, je clique là et revenir à la précédente, je clique là, c'est F4 et Shift F4. Alors là, c'est hyper rapide. Oh, toi, t'as pas le droit de déconfiner, toi. Coco, c'est parce que je fume trop. On corrige, on relance et ça va, mais le confort est de retour. Vous allez halluciner, quoi. J'espère que vous allez retrouver vos marques. Parce que ça, ce confort, en fait, il a disparu progressivement au fil des années. Hein? On a Ouais. accepté que pour débugger, bah, il fallait attendre. Ok.
Bon, au début, c'était un peu, alors ça allait. Ok, ouais, c'est mieux finalement. Et puis après, de fil en aiguille, ça s'est complexifié. Maintenant, il faut ouvrir une fenêtre. Il y a un panel avec plein d'options de compilation. Oui, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. On peut faire beaucoup plus de choses. Mais on a quand même maintenant configuré un programme Visual Studio. Faut jongler entre toutes les problèmes. Alors, si tu oublies de mettre Select All, tu changes que dans un panel et ensuite il faut le copier-coller dans le suivant, etc. Mais c'est des tas de petits détails qui s'enchaînent. Ça donne à ça, qui donne à ça. Alors, tu es obligé de faire 50 milliards de trucs et puis ça s'accumule. Et puis Et nous, on ben, oublie. le mot accumulé est bon parce que en fait maintenant on a l'impression d'arriver à la fin d'un film en fait et on nous demande de comprendre tout le début du film. Il y a une Or masse d'informations, il y a une masse de voilà. choses que le cerveau il doit faire pour faire la moindre tâche sur ordinateur, alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Exactement. Voilà. Ça pourra le devenir, mais les choses devraient se dévoiler uniquement quand on en a besoin. C'est ça pourrait, c'est ça. Et c'est l'optique de Daos, quoi. C'est super facile, le plus facile du monde. Un enfant de 2 ans doit y arriver, dire il a fait son jeu, tu es un programmeur. Ok. Et si. L'enfant de quand il a 3 ans, il veut savoir pourquoi le biberon il marche pas, ben il a plus. Et c'est seulement lui qui veut regarder. C'est pas nous qui lui disons tu regardes. Parce que sinon lui, oh ouais merde, fais chier encore un cours. Alors que si c'est lui, merde, je veux que mon jeu il marche. Ah, il faut que je regarde. Ah super, je débug. Ah, je suis content. Retour massif et tout. Mon démo le soir aux parents. Je suis super content. J'ai appris. Suivant. Ben, c'est ça l'éducation. Hein, c'est ça. Voilà. C'est la pratique. Oh, bah c'est vraiment un Oui, numéro qui est papa. à propos de rien. Il faudra que je me calme un petit peu pour la semaine prochaine. Alors, tu sais, en C'est même temps, Daos. hey, C'est François, Daos. en même temps qu'on fait l'épisode, là, je commence à gamberger déjà. Qu'est-ce que je vais mettre comme Tout est n'importe titre? quoi. Je pense que je vais mettre n'importe. Je pense que je vais l'appeler n'importe quoi. N'importe quoi, Bon. mais c'est bien. Mais on Alors, apprend. mais tu vois, c'est ça qui c'est quand même beaucoup plus cool, je trouve. Et puis toi aussi, il n'y a pas que moi qui parle. Hein. Voilà. Donc alors, va essayer Alors, on aura celui-là. essayé Si d'exécuter. ça tombe, il marche. Hein. Si ça tombe, il marche. C'était le serveur qui foutait la merde tout du long. Attention. Bon, bah déjà, ça marche. Bon, j'ai toujours ça, mais ça, je savais pourquoi. Ah bah non, j'ai Ah toujours non, ça. tu l'as renommé. Il doit rester un truc absolument visible. Ou alors je peux reprendre quelle heure il est, je pense qu'on C'est n'a quoi pas le le temps. message d'erreur? Non, mais ce qui peut être marrant, c'est de Voilà, débugger non, parce que c'est tu sais, encore moi je suis. planté. Il y a un plantage aussi par Ah, derrière. Il y a le le serveur. transpilateur qui. Voilà. Ah, le serveur qui plante. Donc tu vas Voilà, prendre une précédente version peut-être. On a encore combien de temps, quoi? On a 22 Savoir. minutes. 22 minutes. Mais par contre, tu sais, je suis vachement frustré. C'est que j'aurais voulu voir le débuggeur. Parce qu'on a passé, tu as passé 20 minutes à mettre le mot-clé débuggeur pour qu'on voit que tu allais Tâche. nous montrer pas à pas le code JavaScript généré par le transpiler s'exécuter ligne par ligne et on l'aura pas vu. Eh ben, merci monsieur le professeur. Voilà. Peut être De marrant, ça peut être sympa. remettre l'élève dissipé dans le droit chemin. Eh ben, bravo. C'est bien. Eh ben, alors, ce qu'il y a super dans Atom, c'est que vous pouvez avoir le débuggeur, mais juste là. Donc, il n'y a même plus besoin d'aller dans Chrome. Et là, je croise les doigts pour que ça marche. Ouais. Donc, je vais remettre, je sais pas, mon instruction. Là, normalement, je suis sûr que ça arrivera au moins jusque-là. Voilà, j'ai fait aussi l'erreur de débutant dans le débugage, c'est-à-dire de multiplier les possibles sources d'erreurs. Vous avez un programme qui plante dans une configuration. Vous dites, bah oui, c'est parce que ce n'est pas la même configuration de moi. Certes. OK, mais alors vous allez tester sous votre configuration et vous allez débugger sous votre configuration et pas sous la configuration de test. Ce qui fait que finalement, votre débugage, il n'est peut-être pas assez bien pour la configuration de test ou il est juste un peu bien. Un peu bien, c'est-à-dire il corrige maintenant. Mais après, il y a des ramifications beaucoup plus loin dans le code et que ça fera un gros, beaucoup plus gros crash, beaucoup plus difficile à trouver puisqu'il sera évidemment plus loin. Donc, des genres de décalage de synchronisation, ce machin qui n'a pas ouvert ça avant, appelé stick qui arrive là. Et puis que lui, puisque la machine elle est un peu lente, et ben finalement, et puis que le disque, là, il est un peu, il corrige alors s'il y a des données, hop, ça manque, patatras, crash. Voilà. Donc c'est le genre de bug qu'on avait la semaine avant la release à Qlok. Ça crache sur cette machine. Tenez! Moi, j'ai cherché un bug pendant 10 jours. Ah 10 ouais. jours. Alors c'est cool parce que tu as l'esprit tranquille, quoi. Tu peux passer du temps. Enfin, ça c'est bien. C'est ce qui t'offre de bosser dans une boîte comme ça.
Et donc, c'était une armoire dans une pièce. Elle tombait si tu tirais sur quelqu'un ou tu rentrais avec le pistolet. Voilà, l'armoire tombe Ah oui. si on fait un truc, mais complètement pas en rapport, quoi. Et donc, c'était dans le moteur 3D au très fin fond d'un point H. Ça tourne comme les fréquences d'affichage sont différentes sur toutes les machines PC, alors qu'elles sont uniques sur PS2. Le moteur 3D n'était pas régulé à la bonne vitesse et donc il calculait trop les rebonds. L'armoire, par le graphiste, elle n'avait pas été mise juste contre le sol, elle était un petit peu au-dessus, donc elle Ah tombait d'accord. et puis elle rebondissait jusqu'à tomber. Et l'influence du pistolet ou de ce que tu portais, je ne sais pas. Et voilà. Donc c'est ce Bon, jeu. Et ça, il m'a ah, fait. Je l'ai quel plaisir trouvé. de le trouver. Ah là là, mais voilà, oui, s'il y aurait eu du champagne, j'en aurais pris, quoi. Mais bon. C'est ça, les bugs. C'est ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors. Débugger, et si je fais Ronnie. Alors, pardon, excusez-moi. Contrôle Shift I. Pouf! Ben voilà. Alors, il faut faire un petit peu le ménage. Puisque Atom, c'est Chrome, bah, ils sont pas cons chez Monsieur Atom. On peut ouvrir le débugger Chrome sous Atom. Donc, si normalement je le lance ici, vu que tout ça, ce n'est qu'un document, hein, c'est qu'une page web, en fait, Atom. Hein. Donc, si je le lance ici, bah, celui-là, il va l'intercepter. Allons-y, gaiement, je clique sur Run dans l'IDE pour que ça soit lancé ici. On a vu que c'était lancé, donc ça devrait y arriver. Et ben voilà. Ah Ah, ben, il y avait voilà un notre autre débugger. debug qui traînait. C'est celui que j'avais mis tout à l'heure. Celui tout à l'heure, c'est pour ça que je t'ai dit, mais alors, ça s'est pas arrêté sur Debugger, mais voilà, il Donc est celui-là, il toujours sera là. facile à changer. Ben alors, il a gardé les breakpoints. Ah bah ça c'est moi qui débuguais. Donc on est là. Ouais. Vous voyez, Map View Open. Donc là, ça va appeler. Bon, je vais tracer. Bah tiens, cherche pour voir pourquoi il n'ouvre pas ta map là. Voilà, bah allons-y. Hop. Donc vous allez voir l'entre du code. Voilà. Donc View, c'est pas la fonction est appelée avec le View ID sol. Des coordonnées, tu vois, il lise vraiment super le débugger de Chrome. Hein. Ouais. Il y a vraiment. Et puis là, on ne lui passe pas de nom. Donc, view ID. Ah, c'est peut-être ça, tiens. Hop, tile set ID. Alors là, je regarde si on a défini un ID pour le tile set, 0. Hop, je crée une petite structure. Alors, l'extension Mac, elle ouvre un grand écran par derrière. Elle fait tout le rendering de la map. Et comme ça, après, c'est juste un screen copy. Voilà, D'accord. c'est vraiment une extension simplement programmée, donc ça ne marchera pas pour des énormes maps genre monde infini, puisque là il faut régénérer, il faut avoir un petit sniffer qui regarde ce qui va rentrer dans le terrain quand on scrolle vers la droite. Par exemple, il ira prendre à droite, mais il le dessinera juste à la rentrée. Donc en fait, là on n'a pas besoin d'un grand écran intermédiaire, juste la bonne taille plus un petit peu les bords. Et ça suffit pour des mondes infinis. Et c'est le gros avantage des maps. Mais là, c'est fait un petit peu à la va-vite, quoi. Mais ça va être changé. Donc là, j'efface cet écran intermédiaire. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes instructions. Hein. Dans la librairie AOS JavaScript, c'est les Ouais. mêmes noms d'instructions. C'est à peu près pareil, en fait. Et c'est bien. C'est-à-dire que quand toi, tes élèves voudront sortir du basique et passer à JavaScript, bah, je pense que déjà, la chose la plus simple à faire pour eux sera d'utiliser AOS via la librairie. Et non plus via le basique, qui sera aussi faisable. Voilà. Donc, bah, je fais ça. A priori, il l'a trouvé. Hein. Là où je pourrais avoir cette erreur, c'est, ah bah, c'est, je sais pas là. Déjà, elle peut pas être générée. Map View Display. Alors ça, c'est l'instruction qu'on avait vue. L'erreur peut provenir de Get View. Donc, il y a un C'est moment où vachement tu. bien, c'est le débugger qui t'affiche à droite de l'appel du titre Ouais. du prototype de Voilà. la fonction, le contenu de tous les paramètres, tous Ouais, les ah arguments. bah on peut Vachement savoir bien. que chez Google ils font plein de bugs, hein. C'est parce que leur debugger il est top. Bah c'est les outils dont les programmeurs se servent qui sont bien dans les entreprises évidemment. J'imagine que chez Microsoft ils devaient utiliser Word et Office quelque part parce que c'est quand même des bons produits de Microsoft. Là on peut dire quand même c'est des bons produits. Mais il n'y a Ouais. pas photo. Les outils de développement Microsoft Visual Studio etc. ont toujours été confortables même si toujours trop compliqués, trop lourds etc. Mais ça c'est très Microsoft. Mais toujours confortable et toujours à la pointe. Ben moi Bah c'est normal, ils les utilisent. C'est sûr j'ai qu'on va. une de mes bibles Ouais. qui n'existe plus, c'est un bouquin qui n'existe plus. Ah bah ouais, je l'avais celui-là. Steve McGuire, c'est un des programmeurs d'Excel MS-DOS. Ah super.
Voilà, et c'est la Bible du programmeur C pour Mais bon, oui, construire mais bon, du code solide. Yves et moi, mon partenaire dans ClickTeam, on se moquait de l'art du code parce que c'est totalement habitable. C'était que des trucs de structure, ok, c'est des trucs qui sont beaux. Wow, ok, c'est beau. Wow, ce Non, serait bien si je programmais comme ça, il y quoi. a des méthodes pour te Ouais, programmer oh. ton propre système d'allocation mémoire qui peut te dire, non, je bossais Peut-être, dans une ouais. boîte, ça nous a sauvés. Mais Parce que. disons, nous, après, à chaque fois, on disait, ah, c'est dans l'art du code, ça. C'était le genre de. Quand tu fais un truc hyper compliqué, super dérivé, etc. Ah, c'est dans l'art du code, ouais, bien sûr. Donc, voilà. Alors, c'est s'il ne trouve pas la view de ViewID qui doit envoyer cette Dans ton erreur. tableau, ouais. On est là. Donc c'est dans ton tableau view que tu peux voir le contenu là, ton tableau view avec un S là. Tu peux Ah, voir bah combien il a oui, on peut d'éléments. voir. Oui, bonne idée. Bah, j'ai le sol, a priori, il est là. Hein, Et sol. ton ID, c'est sol, donc il devrait le trouver. Il devrait le trouver. Alors, vu que l'erreur arrive quand là, il y a un, c'est un, l'erreur, c'est celle-là, bah, je mets ici ce qu'on appelle un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est comme l'instruction débugger, sauf que c'est moi qui viens de le mettre. Et donc, la prochaine fois que ça passera ici, si malheureusement le ViewID n'est pas bon, Ouais. pour une raison ou pour une autre, bah, avant d'envoyer ça qui est un petit peu OK, hop, on jette le truc par la fenêtre et on recommence, on ne peut plus récupérer derrière un throw, c'est très difficile. Et ben là, on le met juste à l'endroit où ça fait le throw. Voilà. Hop, je continue. Donc là, je suis dans ma petite boucle. OK, alors je vais bouger jusqu'à ce que ça arrive. Ah! Ah! Donc voilà, je ne sais pas. Là, En fait, c'est MapWith qui n'arrive pas à récupérer la taille alors, de la map. quand c'est comme ça, là, c'était pas le bon. C'était pas le bon throw. Alors, quand c'est Ouais. comme ça, on va faire la technique de l'arrosage. À mon avis, c'est ton MapWith qui cherche dans ta liste view et qui ne trouve pas. Attends. Ah, il y a peut-être possibilité de s'arrêter à tous les. Oh, écoute, alors, moi, je fais de la technique de arrosage. Je mets des throws sur tous les débuggers et ça s'arrêtera Des débuggers sur forcément tous les throws. sur tous les throws. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on développe hein, quand on est programmeur. C'est un aspect pratique. Hein. Le principal, c'est que ça marche. Moi c'est ça. Et puis, le code est joli, tant mieux. Et si vous n'êtes pas très fier de votre code, de toute façon, comme personne ne le lira, sauf ceux d'après, vous serez. Non, c'est mauvaise. Mais quand même, voilà, c'est ça. Il n'y a pas à avoir honte de son code. Alors, en plus, là, c'était l'ancienne. C'est peut-être pas la bonne méthode, parce qu'il y a des milliards de throws dans ce code. Ce n'est pas le mien. Alors. Quand tu fais map espace with, c'est une fonction qui est générée de ton API. Attends. Ah, je sais comment je vais faire. Excuse-moi, est-ce que ça j'ai trouvé. Je vais me mettre ici, là où les erreurs arrivent, dans la boucle principale d'AOS. Ben, vous allez voir la boucle principale d'AOS, c'est très bien. Alors, voilà, on y est là. C'est pas là, c'est là. Voilà, ici. C'est ici. Allez, pouf. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah ben j'ai fait ça, j'ai fait. Non, là j'ai merdouillé. Alors attends, on va revenir ici. Voilà. Toc. Là j'y suis. Donc là, Catch error. c'est la parapluie générale des erreurs dans AOS. Et regardez, par exemple, je regarde si on a fait une instruction trap, etc. Donc c'est là où je gère les erreurs dans AOS. Et t'as une Donc ça, pile? c'est. Ah ouais. Pardon? Et t'as une pile pour remonter dans le... Eh bien, dans mon self, donc la variable qui pointe sur la classe, l'objet en fait, hein, il est là. J'ai un indicateur qui s'appelle, regardez, le programme il est exploré à self.position++. Voilà. Déjà, position est à 7. Et si je regarde dans l'application, la position correspond à ce bloc-là. Donc je sais que ça se passe ici. Voilà. OK. C'est dans ces deux-là. Voilà. Alors, ce que je fais maintenant, je relance, mais convenablement. Ah, il faut que je sorte. Je ne sais pas si on va y arriver, hein, mais vous verrez. Voilà, c'est. Si, je le sens bien là.
Je le sens aussi, moi, je le sens aussi. Je sens qu'on Oui, non, approche. mais c'est à un moment donné ta liste. Alors, je peux enlever le débugger qui est là, qui fait que embêter le monde. Voilà. Il y avait un autre débugger qui embêtait, c'était aussi à l'entrée du source runtime. Celui-là, je peux l'enlever. Voilà. Alors, là, les éditeurs, ils commencent à être un petit peu serrés. Hop, toi, casse-toi là. Ok, donc je réactive l'application et je la lance sans les débuggeurs, sauf. Voilà. Il en reste un. Ah, il en reste un, mais c'est pas. Je l'ai mis... J'ai oublié de le mettre en fait. Je suis stupide. J'ai oublié de le mettre. J'ai nettoyé le truc, mais j'ai pas mis le débuggeur. Tu vois le. Alors, je vais essayer de retrouver, c'est le bloc numéro 7. Ah mais regarde, j'étais dans l'application, j'étais pas dans Zelda House. Ça veut dire c'est pas du tout le même code là. Ça arrive. Ah, puis là, je me plante dans les trucs. Quand ça arrive, quand c'est comme ça, c'est genre, c'est le genre, il vaut mieux arrêter. Quand ça arrive à ces points-là. Ah, on va trouver, on va trouver. On va trouver. Genre, fin de soirée vers 2 h du matin, t'en peux On va plus, peut-être mais pas le je corriger, l'aurai. mais on va trouver où est-ce qu'il est au moins. Je l'aurai, je l'aurai. Voilà, ça, c'est comme dans la pub. Alors là, je vire les fenêtres. Zelda House. Il est même plus là. Donc voilà. Il faut que je le recharge. Nettoyons un petit peu tout ça. Zelda House. Voilà. Hop. Je mets mon. Je voulais mettre ici. Bah, c'est ici en fait. Hein. C'est là. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc ça marche quelques fois et au bout d'un moment, ça plante. Voilà, c'est tout ce qu'on sait là pour le moment. Ben, je vais compter. Ouais. Hein? Ça, c'est la technique habituelle, et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Là, on est là. J'ai oublié. Pourquoi elle ne s'affiche pas déjà? C'est ça que je trouve bizarre. Elle devrait s'afficher au départ. Pourquoi elle a mis tant de Ouais. francs? Ah ben Et c'est l'update. C'est l'update en fait, pardon. en plus, l'affichage a l'air un petit peu vérolé, hein. C'est pas les sprites sont décalés. Ouais. Pas les sprites, la taille 7, le taille 7 est décalé. Donc pour bien que les gens comprennent, parce que tu l'as dit au début rapidement, c'est que tu as réécrit le code qui permet de charger une map de l'éditeur Tide. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on voit, c'est une des premières fois que tu testes ton nouveau code. Bah sinon c'est pas la première fois, mais Ça a marché. j'ai. Alors je vais les tiles view. Attends. Zelda tiles, les maps. À mon avis, c'est dans View Redraw. Donc là, je vais Ah, view update. View Update. Alors, est-ce qu'il y a un throw ici? Non, il n'y a même pas de throw. Il n'y a même pas Je ne sais pas. Non, mais ça serait bien de savoir quand même Est-ce qu'on d'arriver peut. au Est-ce moment que où dans. l'erreur s'exécute. Est-ce Moi, qu'on mon idée, c'est qu'à un peut. moment donné, ta liste de view, elle a sauté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a plus Il de me dit view qu'il y a dedans. deux, il me dit qu'il y a 2 erreurs. Oui, la view a sauté, c'est ça que je ne comprends pas. Bah alors attends. Tu regardes partout où tu supprimes tes views. Parce que ça n'aurait pas marché du tout. Il se trouve que ça marche quelquefois. Tu es sûr quand tu appuies sur les directions ou ça plante tout de suite? J'ai l'impression que c'est que quand on appuie sur. C'est seulement si on appuie sur les directions. Attends, je recherche Parce que mes. tu sais, c'était quoi mon intuition, François? Elle est peut-être complètement fausse, hein, mais en regardant Vas-y. ton code, c'est qu'au moment où tu fais map view open de objet, Ouais.
au lieu de s'ajouter à la liste des views, ça réinitialise la liste. Et donc, du coup, tu charges sol. Tu charges sol, il y a sol. Après, tu charges objet et il n'y a que objet. Il n'y a pas sol dedans. Crois-tu? Enfin, c'est une de mes idées. C'est pour ça que j'aurais voulu que tu vois ta liste de views au moment où tu as le bug pour voir ce qui est resté dedans. Voilà, je vais d'abord essayer de view. Je vais passer en revue tous les appels à view. Donc là, non. Oh, mais le code, c'est le code de Baptiste, il a tout étalé. C'est n'importe. Il y en a partout. C'est cool. Ah bah dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, il y a un truc qui est pas mal, c'est une option du compilateur. Alors, hop, je vais revenir ici. Ouais. Celui-là, il est quand même en plein milieu, ça va être un peu difficile. Je vais le remettre là, finalement. Voilà. Si vous mettez un débugger au milieu d'une boucle, de la boucle du programme, bah, évidemment, ça s'arrêtera à chaque boucle, alors c'est un peu difficile pour débugger. Alors, relançons. Ah non, pas celui-là. Celui-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais. Est-ce qu'on peut faire un watch? Est-ce qu'on peut mettre un watch sur view. Des breakpoints conditionnels. Ah, conditionnel. Ça, c'est bien les breakpoints conditionnels. Je ne sais pas. Edit breakpoint. Bon alors, si dans ce cas-là. Tu peux mettre un breakpoint et après tu fais edit breakpoint et peut-être que tu peux y mettre des conditions. Edit breakpoint. Oui, bravo, bien joué. Alors, only if expression is true. Alors. Donc, c'est. Ah bah dans ce cas-là, je vais le mettre exactement ici. Mais non, c'était pas là. C'était pas là. Attendez, le wet VBL, il est là. Et la boucle, elle se fait au label 3. Si ça tombe, c'est un truc. If j left, etc. Alors, je vais continuer, mais je vais déjà virer les possibilités d'erreur. Allez, on passe en mode. Il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une seule instruction. Ça ne devrait. On va voir laquelle fait planter déjà. J'aurais dû faire ça avant. Donc là, ça devrait s'arrêter sur le débugger. Et ça ne le fait pas parce que le machin, il faut que je sorte, évidemment. J'ai vraiment là tous les trucs qui se mettent contre moi. C'est extraordinaire. Non, mais on avance. C'est là qu'il faut écouter son intuition. Est-ce qu'on avance ou pas? Quand on n'avance plus, il faut faire une pause et y revenir sur un bug. Mais quand on a l'impression que... Voilà, on est en train de le trouver. Hein. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais à un moment donné, on l'a vu briller, l'aiguille. On sent qu'on est dans le bon tas de foin. Ok, donc a priori, ça ne plante pas. C'est certainement dû au changement des coordonnées X et Y. Voilà. Pour moi, c'est l'appel de map width. Je pense qu'en fait c'est un mauvais rapport d'erreur. C'est les coordonnées x et y qui ne sont pas valides. Ça doit être un truc comme ça. Voilà. Donc je vais essayer de mettre. Ah, vous voyez comme elle est pénible cette fenêtre. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je vais me mettre en 0. Voilà, pour simplifier. Ah, tu penses que c'est au moment où tu fais scroller en fait que ça se met à merder. Ouais. Je me mets en 0, 0 et je vais scroller vers la droite
100 avec celui-là que je sais qui marche. Je mets mon débugger et je lance. Voilà, donc je continue et je clique à droite. OK. T'as une erreur. Alors, Ruson. Donc là, je requitte encore. On va y arriver. On va y arriver. Le truc, c'est d'arriver à avoir l'événement déclenchant. Voilà, c'est une fois qu'on a l'événement déclenchant, ouf, après on trace et puis on trouve. Forcément, forcément, quoi. Mais c'est l'événement déclenchant, il faut arriver. Merde, mais quand ça arrive? C'est ça. Voilà, là, on a vraiment progressé. Là, maintenant, je suis confiant que peut-être on va y arriver. Ce serait assez drôle. Donc, voilà. Alors, j'ai appuyé sur le bouton droit. Bah, le truc le plus idiot à faire, c'est de prendre le débugger là. If J writes then, took, et ben on le met juste là, deux points, toc, run. Ah, c'est le... T'as trouvé? Mais attends, mais c'est dingue! C'est évidemment ça! C'est ma pouite! Ça fait combien... Tu me l'as dit combien de fois? Tu me l'as dit, et je pense que c'est ma tweet. Tu me l'as dit 5-6 fois. Je l'ai dit dès le début. C'est extraordinaire, j'ai refusé de le voir, mais tu vois, parce que j'étais parti sur mon petit chemin à moi. Tu sais pourquoi j'ai eu un indice. J'ai eu un indice. Il n'est pas coloré, mais j'ai eu un indice énorme, c'est que le message d'erreur disait ligne 28 et qu'à ligne 28, il y avait MapWiz. Oh là là, mais c'était vraiment. Du coup, je me suis dit, il est dans son raisonnement, je vais. Mais... Et puis moi, j'étais en train de m'enfoncer, là, fonce court, parce qu'il n'y a rien qui marche. Ben voilà, ben alors qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé l'instruction au MapWiz. Merci David, ben, je suis hyper content, ça s'est exactement passé comme j'en rêvais en fait. Et voilà, c'est ça, on l'a fait ensemble. Tu as corrigé mes problèmes d'inattention. Et voilà, si vous auriez eu David, ça aurait été débugué en 2 minutes et on aurait fait quelque chose de constructif. Bon, tant pis, hein. C'est la vie. Allez, c'est là. Alors, j'ai dû mettre get MapWiz, alors un truc comme ça. Donc là, ce sont la définition des instructions dans AOS, puisque comme je vous l'ai déjà dit, AOS est un langage programmé en AOS. Voilà, enfin, c'est ça, c'est le langage programmé avec le langage. Donc, c'est ce source, maps.aoz, est transpilé pour fabriquer le runtime avec exactement le même moteur que celui qui est utilisé pour vos programmes. Ce qui veut dire que vous pourrez écrire par exemple, un module map mieux en basique. Voilà. Finalement, ça, c'est l'histoire de l'informatique parce que, par exemple, on va dire que n'importe quel compilateur C, par exemple, a été lui-même un jour créé en C parce que même si les premiers ont été codés en assembleur, à un moment donné, quand on a eu des interfaces et des langages, ben, on a utilisé le langage pour créer des outils pour le langage. Ouais, c'est ça. Alors oui, c'est ça. C'est MapViewWiz, je pense que c'est ça. C'est Map Espace With. Alors, on est dans MapView. Et... Je me suis excité sur rien, en fait. Voilà, là, j'ai vu Map 8. Voilà, Map With. Map 8. Donc, pourquoi il ne le trouve pas, Map With? Bah, il y est, t'es dessus, là. Bah oui, mais il devrait le trouver. Ah, il met erreur. Alors, c'est dans get MapWiz. Ah bah oui, je l'avais pas corrigé. Voilà, c'était en plan. Bah voilà, on va faire la correction. Var, ça va être facile, c'est même très facile. Return this. Voilà, on a eu un climax là sur cet épisode d'AOS Hebdo, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, merde, est-ce qu'on va devoir arrêter l'épisode sans avoir trouvé le bug? Mais non. Et... Code Warrior. Du coup, ça y est, l'épisode a pris tout son sens. Mais voilà, fin, on trouve le bug. Alors regardez, voilà, je me moque un peu de la personne qui a fait le code. Mais C'était quoi l'erreur? Regarde, je vais remplacer toute cette partie de code. Ah putain, par un return. Voilà, par ça. Voilà. C'est pour ça que je voulais faire un refactor. Ah oui, parce que tu as un get view maintenant qui fait tout le boulot. C'était son tout premier programme, il ne savait pas du tout comment ça marchait. Il l'a fait marcher quand même, donc c'est vachement bien. Ok, et donc puis, toi, tu as refactorisé, tu as fait un get view. J'aurais fait exactement le même genre de code. Hein, quoi. Simplement, il n'a pas eu le temps de retravailler dessus.
C'est DTH. Aïe. Voilà, merci. Et du coup, bah, écoute, on a, Allez. on est bon au niveau du timing. Alors, on veut Ah, voir bah, le c'est truc, on veut voir le extraordinaire. truc tourner, et puis Ah on bah va. oui, bah moi aussi. Ah bah attends, vu que ça, je pense que c'était à cause de ça qu'il y avait les erreurs, parce que ça faisait crasher le compilateur, c'était assez méchant comme truc. Alors, voilà, quand il y a des problèmes encore dans la syntaxe un peu tordue, genre il manque une parenthèse, etc., le transpilateur, il a un peu tendance des fois à planter, malheureusement. Voilà. Alors, on est là, que je ne fasse pas des conneries dans ma précipitation. Hop, je vais agrandir ça parce que pour voir soit le bug, soit. Tadam! Ah bah, prenons des risques. Toc. J'ai rien changé d'autre. Si j'avais changé ça d'autre. Là, le truc aussi, c'est de ne pas oublier. On a toujours tendance à mettre des petits bouts de code par-ci, par-là pour. Et on les oublie. Et on les oublie, et ça m'est arrivé plein de fois. Donc alors, ce qui vaut On mieux peut faire un faire, mode c'est. debug. Soit faire un mode debug, soit vous mettez juste tout doux. Vous mettez un tout doux, le truc tout doux, ça sort tout le Alors, temps. super, Voilà. super Remove. suggestion pour toi, François. C'est un truc que j'avais dans Windev aussi. C'est quoi? Ben, quand on faisait des to-do, Ouais. on mettait commentaire to-do quelque chose, on avait un bouton qui nous permettait d'afficher la liste de tous les to-do qu'on avait dans notre code et qui nous permettait de retomber dessus. Ah bah Et ça, merci. c'était top. Ah bah voilà. Bah c'est Ça a ça, tu vois. existé dans Visual Studio à un moment donné, ils l'ont enlevé. Bah évidemment, c'est trop bien. Quand ces trucs sont trop bien, il faut quand même qu'ils en suivent, les programmeurs, sinon ils ne sont pas motivables. Voilà. Comme Allez. ça te fait une liste de tâches intégrées à ton code et c'est vachement C'est bien. comme les quick macros qu'il y avait au début dans Visual Studio Code. Tu enregistrais juste Ouais, les codes pour faire un tableau, et puis après, ça te faisait tout. Ils Ouais. l'ont viré maintenant. Oh là là. Allez, t'attends! Bon. En tout cas, Ah, bah je ne vois rien qui bouge, c'est encore ça ne pire. bouge pas, mais ça ne plante plus. Ah! Ah! Est-ce que ça peut compiler encore? Internal error. Non, internal error. Bon, on a quand même progressé. En fait, il reste encore pas mal de bugs. Ouais, j'ai Je un n'aurais brutal. et on voit vraiment que si je n'avais pas pris ça du bon côté de la chose. Non seulement j'aurais dû t'appeler à 5 heures pour te dire de reporter à 6 heures, mais à 6 heures pour te dire de reporter à 8 heures, et finalement à 10 heures, tu aurais dit on remet à demain. Et ça n'aura rien changé. Donc, ouf! Bon, on a trouvé, t'as trouvé un debug, donc du coup, il y a quand Voilà. même un semi-happy end. Et pour le deuxième message d'erreur, Ben j'aurais dû faire ça ça. marchera, là je vais J'aurais quand dû faire même. ça. Ah bah ouais, ah oui, il faut qu'on fasse ça, et puis moi aussi je ferai pour toi. Ah oui, on va faire J'en ai ça. d'autres. Et si t'avais réussi, j'avais celui-là. Ah bah ça je veux, et pourquoi tu me les as cachés parce que tu me respectais trop, n'est-ce pas ça? Au secours, mais il m'en plaint. Te respecte, hein, parce que sinon j'ai celui-là aussi. Mais voilà. Mais j'attendais le bon moment. Mais j'ai pas eu. C'est toujours le bon moment pour ce bruit-là, hein, n'est-ce pas? Mais pas le soir au lit, voilà, Non, c'est tout. ça dépend. Ça dépend Excusez-moi, avec qui on est. nous sommes regardés par des enfants. Bon, voilà, c'était n'importe quoi ce show, mais j'espère que vous êtes bien marrés, en tout cas Voilà, moi c'était la chasse au bug. Voilà, et ben on ne les Voilà, a il pas en reste tenus. un. C'est comme Et les du coup. souris dans mon appart, sur des plats, j'ai le chat, il en ramène deux par jour et puis Ah il les laisse oui. vivantes, alors ça va. Ouais, pour s'amuser, c'est un cadeau. Ben, c'est un cadeau. Bon, ben Voilà. alors, soit tu débugs, soit tu nous gardes ça pour débugger la prochaine fois Non, ensemble. je vais quand même le débugger, il faut un peu Voilà. progresser, excusez-moi. Non, Sinon, non. sinon, on va renommer la série. On essaye de programmer un Zelda, mais d'abord, on essaye de débugger Voilà. le Voilà. module de map. Voilà. Ah, mais Merci. c'était bien, ça m'a beaucoup plu. Bah, Je moi trouve que aussi. Bah, c'était, moi voilà, aussi. C'est beaucoup plus amusant à faire, en fait. j'espère que ça vous a plu, vous qui regardez. Alors, si ça vous a plu, vous mettez plein de pouces comme ça. Et si ça vous a pas plu, vous mettez quand même des pouces comme ça parce qu'on n'aime pas les pouces comme ça. Et puis, ça sert à rien de mettre des pouces comme ça. Ou alors, il faut mettre un Oui, commentaire pour il y en a expliquer qui mettent, pourquoi. bah voilà, s'ils ne regardent pas, s'ils n'aiment pas, mais pourquoi mettre des pouces C'est vers ça, le bas? t'as envie de leur dire pourquoi tu es là. Oui, j'ai regardé votre vidéo jusqu'au bout de 2h35. Eh bien, écoutez, Je c'était n'aime chiant, j'étais pas d'accord depuis le début. Voilà, pas. ah, au secours. Et je dirais pas pourquoi.
Oh, pas Je mal. vais juste laisser une petite crotte qui s'appelle un pouce Un comme pouce de ça. poing, voilà. Et vous vous poserez plein de questions comme ça. Voilà, Pourquoi puis j'ai je vais eu mettre ce. un commentaire énigmatique. Oui, c'est vrai. Un truc, une private joke avec un pote. Voilà, bien, bien négatif et tout. Voilà, là, comme ça. Puis comme ça, le pauvre auteur, il répond pendant des heures et il dit, oh, au secours. Alors, on va Allez. rappeler, on va refaire les mentions légales obligatoires. C'est comment télécharger AOS Studio? Il faut aller sur Alors AOS.studio voilà, oui. et on peut déjà commencer à programmer. Il y a déjà des gens qui ont fait Alors la version des qui est en jeux. ligne est une vieille version, mais elle marche en tout cas. Voilà, C'est là, c'est son avantage. donc vous allez sur AO Studio quand tu veux download. Voilà, on vous demande votre adresse email parce que voilà, évidemment, on essaie quand même de se constituer une petite liste. Communauté, ouais. Voilà, de petites communautés où évidemment vous pouvez venir sur Discord et là vous êtes les plus que bienvenus. Les liens sont également sur Facebook, Moi, je le etc. mets dans Donc la description de la vidéo, là, juste en dessous. voilà. Et puis, Et également, alors, là, tu es sur Discord, donc on va voir oui, les je suis pseudos, le t'es... Discord avec Voilà. bah, ça fait un bout de temps que j'y suis pas allé, mais voilà, je mets toutes les releases, y compris les versions de test, les versions intermédiaires. Donc si vous voulez, ça nous aide d'avoir du retour. Et puis voilà, c'est quand même plus en direct avec les programmeurs. Donc on peut discuter ensemble, quoi. C'est cool. Et si Et vous voulez apprendre communauté. à programmer avec moi, puisque je suis le monsieur professeur de programmation, j'ai créé une école en ligne qui s'appelle Game Coder et vous pouvez y accéder en tapant simplement Game Coder, codeur en français, coder.fr. Et vous pouvez accéder. Aujourd'hui, je suis à 77 ateliers de formation pour apprendre à programmer dans différents langages de programmation. Tous les grands fondamentaux de la programmation, hein, ça part du simple casse-brique à la programmation réseau, à la 3D pure code. Voilà, il y a OS qui commence à arriver, qui sera intégré dans les cours de Game Coder bientôt. Et donc, si vous voulez apprendre à programmer ben, comme nous, les vieux, mais qui sommes, je pense, capables de vous transmettre un savoir, un raisonnement, et qui va vous permettre, avec les outils modernes, bah, de devenir des meilleurs programmeurs, puisque voilà, moi j'enseigne à la fois les fondamentaux de la programmation et également des outils très modernes, très évolués, très haut niveau. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai géré un studio de programmation de jeux vidéo pendant presque 10 ans. Donc, je connais bien la programmation de jeux vidéo. Et voilà, donc vous pouvez nous rejoindre sur AOS Studio pour télécharger, AOS.studio pour télécharger AOS Studio, www.gamecoder.fr pour suivre des cours de programmation. Et vous pouvez regarder les épisodes précédents qui sont tout aussi passionnants de AOS Hebdo, Il y a moins de qui est bugs un voilà avec parce moins de qu'ils bugs. étaient préparés. Voilà. Et Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes, sachant qu'on va continuer à avancer sur ce Zelda-like développé en AOS. Voilà, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Merci François. bah, merci David. Ah, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, croyez en vous, bon Croyez en code, vous. salut. Salut.